It's time for class! Indeed it is. Bonjour, ma classe! Bonjour, madame! Bonjour. Okay, class, regardez, s'il vous plaît, le calendrier, okay? Aujourd'hui, merci, et le 31 octobre, et class. Demain, oui, c'est Halloween. Et demain est le 1er novembre, OK? Et après-demain est le 2 novembre. C'est évident. OK, class. Halloween en France. OK, class. Ça... C'est les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. Et Oregon est là. Et ça, c'est l'océan Atlantique. Et la France est là. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est l'océan Atlantique. Et ça, c'est la France. OK, class, Halloween. L'Halloween est une fête. Américaine, c'est pas une fête française. En France, il n'y a pas d'Halloween. Merci. En France, il y a une fête qui n'est pas Halloween, une fête différente, une fête catholique. Aïe, aïe, aïe. C'est différent. You're strangling her. You're killing her. Oh, it's a bird. Une fête catholique. C-A-T-H-O-L-I-Q-U-E. Classe, catholique en anglais. Catholic. Ouais. Catholique et religieuse. Aux États-Unis, Halloween n'est pas une fête religieuse. Okay? En France, il y a une fête différente. La fête est catholique et religieuse. Et la fête s'appelle le Toussaint. Oh, classe! Il y a deux fêtes. La première fête s'appelle le Toussaint. OK? Et le Toussaint est le 1er novembre. Et la deuxième fête s'appelle le jour de mort. Et le jour de mort est le 2 novembre. OK? Et classe, ça, c'est la mort. OK? Le 2 novembre est le jour de mort. Pas la mort. OK? Les personnes mortes.
c'est une fête catholique, religieuse, pour honorer les personnes qui sont mortes, ok? Ok, l'Halloween est très spéciale. C'est une fête formidable. Il y a des bonbons. Il y a du chocolat. Il y a des citrouilles. Mais en France, il n'y a pas de bonbons. Il n'y a pas de chocolat. Il y a des citrouilles. Le 2 novembre, les familles vont à la cimetière avec des fleurs. Et ils prient. Toutes les familles. Les familles catholiques. OK? Les familles catholiques vont à la cimetière avec des fleurs pour les personnes mortes. Et à la cimetière, ils prient. Ils ne mangent pas de chocolat. Ils ne mangent pas de bonbons. Ils prient à la cimetière. Et ils vont à l'église. Classe, église en anglais. Church. Oui. Hey classe, pour l'Halloween, on va à l'église? Oui ou non? Non. Non. Pour l'Halloween, on mange des bonbons? Oui ou non? Non. Pour l'Halloween? Oui. Il y a des bonbons? Oui. Il y a du chocolat? Oui. Pour le jour de mort, il y a des bonbons? Non. Non, pas de bonbons. Il y a du chocolat? Non. Non, pas de chocolat. On va à l'église. On va à la cimetière. On prie. Hey classe, pensez. Quelle fête est-ce que vous préféreriez l'Halloween ou le Toussaint et le jour de mort? Halloween! Oh, tu n'aimes pas les bonbons. Classe, Cerise n'aime pas les bonbons. Elle n'aime pas le chocolat. Elle aime l'église. Elle aime prier. Tu aimes prier? Ouais. Cerise préfère le jour des morts. Okay, class, I'm about to ask you some questions to see if you understood. They will be in English. Question one. Which ocean is in between the U.S. and France? Atlantic. Good. Question two. Is Halloween an American or French holiday? American. Question three. Is Halloween a religious holiday? No. Question four. What is the name of the thing that they celebrate in France on the 1st of November? On the 1st? Second. Toussaint. Toussaint means literally all saints. Do you guys know what saints are? Yeah. Mm-hmm. What are they? Saint, yes? So they're like people who die, right? And they were just like very religious, very special people. In the so it's the day of all the saints. And so then what is celebrated on the 2nd of November? The Day of the Dead. Do you know any other places where they celebrate the Day of the Dead? Oh, Mexico. Mexico. Yeah, Mexico. Mm-hmm. Anybody know how to say that in Spanish? Mexico. Mexico. It's called Mexico. See. Let's see. What do people honor on the Day of the Dead? The dead people. Any old dead people or dead people that they know? Dead people that they know. And where do people go? To
Tell somebody near you what you just learned about college. Dude, press on!